Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et ça faisait longtemps que j'avais pas fait un concours, et je me suis dit pourquoi pas organiser un petit concours aujourd'hui. Et tout d'abord, je vais vous parler du tour que vous allez pouvoir gagner dans ce concours. Et ça sera pas un téléchargement, ça sera vraiment un tour physique que vous recevrez directement chez vous, du moins pour le gagnant. Et ce tour, c'est pas vraiment une nouveauté, c'est un grand classique, une version de ce grand classique. Tous les magiciens possèdent une version de ce tour qui est l'huile et l'eau, oil and water. Une routine où des cartes noires et des cartes rouges se séparent à chaque fois. Il existe pas mal de versions, des versions avec des manipulations, des versions avec des cartes truquées, avec des cartes gimmicks, avec des manipulations difficiles ou moins difficiles. Bref, tout magicien a principalement sa version. Et aujourd'hui, je voulais vous présenter une version qui est vraiment, on va dire, pour moi, l'ultime version. Tout simplement car elle est totalement automatique. Alors vraiment, quand je dis qu'elle est automatique, elle est automatique. Et en fait, au niveau de la présentation, c'est vraiment clean, c'est pur. Vraiment, on présente la routine de façon vraiment lentement. C'est super clean. Et point de vue, simplicité et efficacité, pour moi, c'est l'une des versions les meilleures de cet effet. Bref, je vous laisse avec la démo et on se retrouve juste après pour vous expliquer comment participer au concours et surtout pour vous donner 2-3 pistes sur cet effet pour ceux que ça intéresse. Allez, c'est parti. Allez, on se retrouve pour la démo de ce grand classique de la magie, l'huile et l'eau. Hein. C'est une routine de petits paquets qui est très connue, il existe pas mal de versions. Mais je voulais vous montrer vraiment cette version que je trouve vraiment très simple à réaliser, vraiment automatique avec 6 cartes, 3 noires, 3 rouges. Comme l'huile et l'eau, quand on les mélange, les cartes se séparent. Ben on va faire pareil. On va mettre les rouges d'un côté et on garde les noirs en main. Et regardez bien. On met une première rouge, une noire, une rouge, une noire, une rouge, une noire. On égalise le tout, vraiment nettement. On laisse agir, je fais rien là, vraiment. Et si on retourne, croyez-le ou non, en claquant des doigts, et ben les cartes se séparent hein, puisqu'on se retrouve avec les rouges d'un côté, les noirs de l'autre. C'est totalement automatique, mais je suis allé peut-être un petit peu vite, vous avez peut-être pensé que j'ai pu tricher. On va le refaire le plus net possible, regardez bien, je mets les rouges d'un côté et je garde en main les trois noirs. Hein. Attention, on prend une rouge qu'on met sur la table, on met une noire par-dessus, une rouge ouvertement, une noire également par-dessus, une rouge et une noire. Vraiment, plus net, c'est pas possible, je fais absolument rien. On laisse un petit peu agir, on retourne tout doucement. Et pourtant, si on claque des doigts, eh ben on se retrouve d'un côté avec les noirs et les rouges de l'autre. C'est totalement automatique, on fait absolument rien. On va le refaire, regardez bien. Cette fois, c'est avec un spectateur. On demande au spectateur de prendre les rouges en main. Vraiment, il les prend. Moi, je garde en main les trois noirs. Et là, c'est lui-même qui pose les cartes. Donc, imaginons, il prend une rouge, il la pose. Je prends une noire, je mets par-dessus. Il prend une deuxième rouge, qu'il met par-dessus. On met une noire par-dessus également. Une rouge. Et on finit avec la dernière noire. On égalise le tout. Vraiment plus clean, plus simple, on ne peut pas faire mieux. On laisse agir, on retourne. Croyez-le ou non, ça marche puisqu'on se retrouve avec les noirs d'un côté, les rouges de l'autre. Il n'y a absolument rien à voir. Et pourtant, c'est le tour de l'huile et l'eau. Automatique l'huile et l'eau, automatique oil and water. Pour moi, c'est un classique 100% automatique, vraiment très simple. Il n'y a pas d'ambiguïté, c'est très simple. Que demander de mieux. Et voilà, j'espère que la petite démo vous aura plu, vous aura donné envie de vous intéresser à cette version de cet effet. C'était Automatic Oil and Water, une version 100% automatique sans aucune manipulation, je peux vous l'assurer. Comme vous l'avez vu, les gestes sont vraiment clean, hein. C'est vraiment comme ça que vous le ferez via vos spectateurs. Et vraiment, l'originalité de cette version, c'est que vraiment vous donnez des cartes au spectateur, il pose lui-même les cartes. Et sans manipuler, sans rien faire vraiment, vous étalez uniquement les cartes en main et vous voyez qu'elles se séparent à chaque fois. C'est très agréable à présenter, il n'y a aucun comptage, aucune technique, c'est 100% automatique. Tout est inclus, il n'y a rien à ajouter, c'est très facile à faire. Les cartes sont de qualité bicycle, tout est prêt à être utilisé dès que vous le recevez. Vous avez une vidéo explicative en français qui vous apprend pas à pas comment réaliser le tour, mais vraiment c'est très simple à faire. Vous allez voir, n'importe quel débutant qui reçoit le tour en visionnant la vidéo explicative, en ayant les cartes en main, dans les 5 minutes, il est capable de refaire le tour et de se bluffer lui-même. Donc voilà, vous l'avez compris, c'est un petit tour de petit vraiment un grand classique, hein, l'huile et l'eau. Je suis conscient qu'il existe de nombreuses versions, mais voilà, celle-là, je la trouve vraiment très clean. C'est pour ça que je voulais vous en parler et vous la présenter aujourd'hui. Après, le seul inconvénient de cette version, il faut le savoir, je préfère vous le dire et être honnête envers vous, les cartes ne peuvent pas être toutes laissées à l'examen. On peut pas laisser le tour de petits paquets entier à l'examen, que ce soit au début ou à la fin. La construction de la routine est vraiment très intéressante car elle permet aux spectateurs de rentrer en interaction avec nous et d'avoir des cartes à la main. Donc ces cartes-là, bien sûr, il peut les examiner, il peut les toucher et lui-même de poser des cartes. Donc il a l'impression finalement d'examiner les cartes, de les toucher puisqu'il a les cartes en même temps que vous. Il en met une à chaque fois que vous en mettez une, donc tout est vraiment très clair, c'est assez net.
n'y a pas de manipulation compliquée à cacher ou quoi que ce soit qui pourrait donner de l'ambiguïté à la routine. Vraiment, cet aspect-là de non donner à l'examen, franchement, moi, il m'a jamais gêné. Il y a plein de tours de petits paquets super intéressants qui ne permettent pas de donner les cartes à l'examen, et c'est pas pour autant qu'ils sont très bons, que je les utilise personnellement. Après, je préfère vous le dire, parce que certains, c'est le point réticent, absolument, ils doivent tout donner à l'examen. Personnellement, je vous le dirai peut-être dans une vidéo de théorie de la magie, c'est pas vraiment la meilleure chose à faire, surtout pour mieux gérer son spectateur. Bref, je dis ça, je dis rien, on verra ça plus tard. Mais voilà, je préférerais quand même le spécifier. Donc voilà, mis à part ça, c'est vraiment génial. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas. Donc comme d'hab, pour ceux que ça intéresse, eh ben, je vous ai mis le lien du tour dans la description pour ceux qui voudraient aller voir et en savoir un petit peu plus. Et sinon, les autres, tentez de le gagner parce qu'il y en a un d'entre vous qui va pouvoir le recevoir directement chez lui. Et donc pour participer au concours, ça va être très 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 simple. On va faire tout simplement un tirage au sort comme d'habitude. C'est rapide, c'est net et c'est efficace au moins. Pour participer, il y a les trois règles à respecter. Elles sont toujours les mêmes, elles ne changent pas. Il faut être abonné à ma chaîne Tuto Magie, liker cette vidéo, donc mettre un petit pouce bleu et ajouter un petit commentaire à cette vidéo. Vous mettez par exemple je participe ou j'ai aimé le tour, j'adore le tour ou je déteste le tour, il est trop nul. Bref, ce que vous voulez, mais un commentaire qui permet voilà, de marquer votre inscription au concours. Et moi derrière, ensuite, je ferai un tirage au sort et il y aura un gagnant que je contacterai par mail pour avoir toutes ces infos afin qu'il reçoive le tour directement chez lui. Les résultats seront annoncés dans cette vidéo, donc la semaine prochaine quand je sortirai une vidéo, revenez sur celle-ci et vous verrez, il y aura un commentaire qui sera épinglé, ça sera le commentaire gagnant. Et également en parallèle, je mettrai en story sur Instagram tout simplement le tirage au sort que j'aurai filmé et que je mettrai en ligne comme ça pour les curieux qui voudraient voir comment ça se passe le tirage. Donc voilà, les trois règles à respecter, être abonné, liker la vidéo et en commentaire, et vous êtes inscrit au concours et voilà, et vous êtes automatiquement enregistré et peut-être le futur gagnant de ce concours. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas les réseaux sociaux, le site internet magistreaming.fr avec mon école de magie, la plateforme de VOD. N'oubliez pas, vous pouvez me soutenir sur Tuto Magie Premium via YouTube. Tous les liens sont dans la description, ça me fait grave plaisir, vous êtes de plus en plus nombreux. Merci, merci, merci. C'est la raison pour laquelle je vous fais des concours comme ça de temps en temps. Pas mal de surprises arrivent prochainement. Merci à tous et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.